Et bah il vient d'être banni pour cheat. Ah c'est ça. Je suis mort. Hey yo, salut à tous et à toutes, c'est la nouvelle vidéo sur le serveur PP Faction du moment. C'est un serveur PP Faction Vania, les frérots. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps. On est sur Sunalti MC. Il accepte évidemment les versions crack et les versions 1.8 jusqu'à la 1.14. Il y a beaucoup de choses très sympathiques sur le serveur. Il est vraiment vachement complet. Et je vais vous présenter quelques petits trucs avant de commencer la vidéo. Alors déjà à savoir, vous avez le petit slash invest qui est disponible sur le serveur. Donc si vous savez, c'est ce qui vous permet de doubler, tripler vos gains que vous aurez investis tout en restant simplement AFK. Donc voilà ces fameux systèmes, tu restes AFK et tu gagnes de l'argent, ça fait plaisir. Très très cool aussi les gars, quand tu rejoins le serveur pour la première fois, tu obtiens le meilleur grade du serveur pendant 2 jours. Donc ça te permet de vraiment bien débuter sur le serveur, c'est super cool, c'est une bonne aide pour les nouveaux. Très important, le serveur est complètement farm to win les frérots. Vous pouvez vraiment tout acheter in-game, que ce soit les grades, vous voyez. Le meilleur grade est à 50 millions, la 28 millions celui-ci, 14 millions. Il y a vraiment les kits, vraiment tout est achetable in-game. Donc c'est vraiment full farm to win. Là ici vous avez un petit menu où il y a vraiment toutes les informations les plus utiles pour le serveur, hein. Je vous laisserai découvrir ça tout simplement directement en jeu. Et puis c'est là que vous pouvez retrouver du coup l'onglet Farm to Win, comme je vous le disais à l'instant, hein. Vous pouvez vraiment tout prendre, hein, que ce soit les atouts, les commandes, les émeraudes, parce que il y a un système de commerce avec l'émeraude sur le serveur qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est ici que tu peux obtenir des items légendaires, hein, tout en négociant avec les PNJ. Donc tu peux obtenir des trucs de ouf. Ici tu peux obtenir des sacrées pioches avec des blocs d'émeraude enchantés. Ici frérot, tu as des items pour farm. Donc tu vois, ça te donne du speed 3, Ast, etc. En génération, celui-là ça te donne pareil, nanana. Ici, qu'est-ce que c'est? Là, c'est pour convertir tes émeraudes en blocs d'émeraudes enchantées. Donc t'as un vrai business de ouf là-dessus où tu peux acheter des sacrés trucs. Donc c'est vraiment cool. Je pense que j'ai jamais vu ça sur un autre serveur. Donc c'est leur petit truc un peu exclusivement à eux quoi. Et il y a évidemment un petit système de classement pour les factions où il y a des petits lots sympathiques à gagner. Ici, il y a les caisses, hein, vous connaissez, clic gauche pour voir le contenu et clic droit quand vous avez une clé. Pour l'ouvrir. Il y a même une petite caisse IRL, hein, si vous avez de la chance, pour essayer de gagner des lots directement in real life, genre un petit portable, un iPhone et tout, yes, putain, trop, trop bien. Et puis voilà, ici t'as quelques petits mines, mine VIP, la mine classique, et si tu montes un peu en haut, il y a la Warzone, là où on va se la donner dans un instant. Ah, j'allais oublier, très important les frérots, dans cette vidéo, je vous fais gagner encore le meilleur grade du serveur. Il suffit tout simplement de vous abonner à la chaîne, mettre le petit pouce bleu, lâcher votre meilleur commentaire, ça fait plaisir. Et puis je tirerai au sort et je vous fais gagner tout ça. Voilà, c'est cool, c'est bénef. Bon, du coup, les frérots, on va faire une petite séquence PVP là sur Sunalti. Je sais pas s'il y a du monde, hein, mais c'est bon, c'est pas grave, on va tous les exploser. Mais avant cela, vous devez vous dire, mais by slide, elles sont où tes popos de force, tes popos de speed, etc., etc. Comment tu vas faire pour leur casser la gueule, nanana. Vous inquiétez pas. On a tout prévu. Il faut savoir qu'il y a une petite fonctionnalité vraiment sympa, même plusieurs fonctionnalités sur le serveur Sunalti. C'est les atouts qui sont là, les atouts, je disais. Et en gros, on peut choisir d'acheter plusieurs effets de potions qui seront permanents en fait. Il suffira juste de les activer, les désactiver quand nous le souhaitons. Donc du coup, moi je vais aller pépé. Donc évidemment, on va se prendre le petit atout force, hein, pour avoir la puissance de Hulk, comme ils ont dit. On va se prendre l'atout speed 2, évidemment aussi, pour être super rapide comme Flash McQueen. On va se prendre l'atout fire resistance, voilà, ça fait plaisir. L'atout plus 2 coeurs, bien évidemment, hein. Et le petit dernier atout, je pense, résistance. Il me semble qu'on en a pas forcément besoin de plus après. Ensuite, pour les activer, comme je le disais, il suffit de faire la commande slash atout. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, clic gauche pour activer. Donc, vous avez vu à gauche que ça s'activait. Et clic droit pour enlever. Donc, évidemment, nous allons tout activer. Regardez, on a tout ce qu'il faut. C'est permanent. Résistance, fire résistance, heal, strength, speed. C'est impeccable. Donc, du coup, j'ai plus besoin que de poison, de heal, etc., etc. J'ai plus besoin du reste. Et puis, allez, c'est parti. Je vais casser des queues. Let's go! Bang, 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 bang. On va prendre du P4, les gars. On va niquer des mecs, là, pour un petit peu de P4. Ça va faire plaisir. Oh là, j'ai déjà fait drop. Et bah c'est déjà droppé. Moi ça. Attends, on va prendre les... Et attends, il a... Wesh, il avait 2 P4 ce malade, je crois. Il m'a pas à tout récupérer, je crois. Il m'a pris juste des bottes. C'est bon? Non, il m'a pris des trucs. Ah l'enculé. On va rattraper vite, 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 vite. On a le petit Dark Punch aussi avec nous, évidemment, les gars.
fais courir, je t'en prie. On peut perdre ou pas en Warzone? Ah non, on peut pas perdre en Warzone. Non, je voulais rattraper. C'était quoi? Ah, c'était un P4. Ah, mais c'est bon, j'en ai un full. Bon, bah ça me suffit. Allez, bah on lui casse la gueule à vie du coup. Bang, bang, bang. Je sais pas si c'est la même fac. On va lui lancer une petite peau de poison. Hop, dans sa gueule. Voilà, ça fait plaisir. Merci pour la heal. Ah, ça m'a pas eu. Hop, on va se prendre une petite gap. Ah, par contre, j'ai plus trop de... Ah, j'aurais dû prendre une petite canne à pêche aussi, en vrai. Du coup, j'ai plus trop de je vais dire, de heal, ouais, j'ai pris... vu que j'ai pris tout le stuff. Bon, c'est pas grave. On a des punch-sheets. Bon, je suis un peu concentré, hein, je vais casser la gueule. J'ai pas pépé de la journée, hein, donc si je suis pas super super fort, les frérots, c'est normal. Il a encore sa poison. Bon, on fait pas trop de dégâts, hein, je trouve. Hein. Et lui, il m'en fait plus. Je pense qu'il doit, il doit avoir un stuff, vous savez, avec du Sharp 6, protection, je sais pas combien. Ah, et mon stuff, il a déjà broc. Ah, j'ai bien fait de le péter rapidement, l'autre. Oh, mais j'ai plus rien comme heal. C'est la merde dé pour moi. What? J'avais broc? Je sais pas. Bon bah du coup je sais pas, j'ai raté la rediff. Je me disais bien, je prenais beaucoup plus cher que lui. Je lui mettais du 0,5 coeur à peu près par coup. Et moi je prenais du 1-2 coeur, j'ai pas compris. Sachant qu'à ce qui paraît il y avait même stuff que moi. Bon après peut-être qu'il a menti, hein, j'en doute fortement. Sachant que j'avais tous mes effets. Enfin je sais pas, bref on s'en fout. Je me suis restuffé les frérots. En tout cas on a tout ce qu'il faut. Et puis bah vas-y c'est reparti, hein, si on a d'autres qui veulent... Qui veut se la donner, c'est maintenant. Ah bah du coup j'ai trouvé personne les frérots, mais il y a un coffre qui vient de spawn, donc je vais y aller, peut-être qu'il y aura du fight. Donc c'est moins 69, moins 157. Vas-y, je vais y aller, je vais faire une boost là. Hop là, magnifique. Ok, il y a des trucs sympas. Allez moi, je vais pvp les gars. Ah, il y a quelqu'un, Let's go, let's go, let's go, let's go. On va lui mettre la popo dès le début. Allez hop, dans sa gueule. Nickel. Pile dans sa gueule. Hop, on cheat. Oh bah alors. Oh non, on lui casse son cul un peu. Vas-y, on va focus lui vu que l'autre il a pas cheat. En plus, ils ont pas l'air d'être ensemble donc parfait. Ah lui, regardez, je lui mets des dégâts. Je lui mets des dégâts, pas comme celui d'avant où vraiment. Il me mettait ultra cher. Je pense que c'est bon, il a plus de pump shit lui. Par contre, on va pas ses cœurs, c'est un peu chiant. Vu qu'il est en invisible. Voilà, c'est bon, je fais des dégâts. Regarde, c'est solide, ouais, je fais des dégâts. Genre vraiment, le mec d'avant, je lui faisais zéro dégâts. Je sais pas s'il y a eu un bug, s'il avait un stuff de fou, mais il prenait rien. Là, je prends un petit focus là de V1. Faudrait que j'en drop un assez rapidement et je prenne son stuff. Parce que j'ai plus qu'un stuff encore, malheureusement. Ok, ça va, il y a plein de monde là, gros, depuis tard il y avait personne. Et là ça va, ils sont mimi, il y a plein de monde mais ils me laissent mon AV1. Faut que je drop. Oh putain, dommage. Oh, il prend cher lui là. Oh putain, j'ai fait le tuer. Nice. Bon les gars, je t'ai fait un petit mec, comme ça on est tranquille, on va faire un petit 1v1 au lieu qu'on galère dans la warzone avec plein de gens. Donc du coup c'est Calus, je crois que ça a dit, hein, Calus, ouais, bon faites pas des blagues bizarres un peu sur son pseudo, voilà tranquille. Bah yes c'est parti, hein, j'ai rien besoin de prendre, moi go, hein. GL, allez GL, j'ai rien besoin de prendre, hein, j'ai directement tout ce qu'il faut, j'ai tous mes atouts donc c'est parfait, let's go. Oula. Ah oui mais il tape de loin, c'est pour ça qu'en fait il voulait faire un 1v1 contre moi. Ah ouais, il tape un peu de loin hein, des fois. Hein. Oh merde. Oh là là. Ah, quel bâtard que je suis. Je crois que je l'ai loupé en plus. Bon bah au moins. Ouais, il tape un petit peu de loin le petit pote hein. Un peu de shit en plus. Bon, on va la prendre aussi. Hein.
Ouais, bon bah je sais pas ce qu'ils en penseraient dans les commentaires, mais ouais, il tape de loin. Ouais, oui, oui. Bon, allez, hein, yes. Il est legit, hein, les gars. Ceux qui disent qu'il est pas legit, vous êtes vraiment dérageux, hein. Ouais, vous êtes vraiment dérageux, hein. Mais vraiment, hein. What? J'ai broke? Ah oui, j'ai broke. Déjà? Ouais, j'ai failli l'avoir. Après ça va, il a broke lui aussi maintenant. Ah, peut-être moins que je le gagne, hein. Oh, il était un nuker. Ah, peut-être que je vais gagner, hein, je sais pas, on va voir les gars. Ah oh, bah ouais mais... Oh. Et bah il vient d'être banni pour cheat. Ah c'est ça. Je suis mort. Ok, j'ai quand même... Franchement, en plus, sachant qu'il cheat, je pense que j'ai gagné... Je pense avoir gagné le... Je pense avoir gagné le fight en plus. Je pense que j'allais le gagner. Avec les deux cœurs en plus et tout, j'arrivais pas trop mal à me démerder à la fin. Je pense qu'en plus, je le gagnais le fight. Oh la flemme. Je gagne un avion contre un cheater. Le mec, il me casse les couilles pour que je fight contre lui. Il cheat contre moi. Il a cru que ça allait pas être cramé, sachant que je joue à Minecraft depuis plus de 7 ans, tu vois. Normal, tu vois. Le mec est sacrément culotté, hein, on peut le dire. Et en plus, il se fait ban pendant que je fight. Ah, je suis mort. Bon, bah, on va se laisser là, du coup, les frérots. Hein, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je fais plein de gros bisous. Je le rappelle, toutes les infos du serveur seront dans la description. N'oublie pas le petit commentaire ainsi que le petit pouce bleu pour participer au concours. Et salut, salut!